un centimètre carré de fond, de sol. C'est des couches de déchets les uns sur les autres. Des barrières de sécurité, des chaises, des vélos, des bouteilles. Les fonds du vieux port de Marseille ressemblent à une décharge. Des images choquantes tournées par les militants de l'association Sea Shepherd qui ont remonté ce qu'ils pouvaient à la surface, comme cette benne à ordures sous les yeux médusés des passants. Tout ce qu'on peut trouver dans une décharge, plus des filets de pêche, plus la moitié des Vélib de Marseille. Le vieux port, version carte postale, c'est seulement en surface. Sous l'eau, les poissons pris dans les déchets ou les vieux filets de pêche agonisent lentement. Des images choquent sur l'envers du décor. Mais sur place, à Marseille, d'autres associations s'épuisent déjà depuis longtemps à collecter ces déchets. Ils s'accumulent et ils commencent à impacter considérablement toute la biodiversité marine. Donc il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour stopper cette pollution, parce que ça devient dramatique, et si on continue à ce rythme-là, eh bien on est face à une bombe à retardement écologique. Au large, le constat est tout aussi alarmant. Ces bénévoles sillonnent tout l'été les côtes pour prélever des micro-déchets. 10 minutes en mer, et voilà le résultat. Et voilà les captures de la journée. Maintenant, on va voir les microplastiques. Ici, ici, ici. Bon, il y en a plein le collecteur. Tout ce qui est petit, carré, blanc, pointu, c'est du plastique. La Méditerranée se transforme en poubelle. L'association Sea Shepherd va poursuivre son opération de nettoyage des fonds sur les côtes françaises et jusqu'en Italie. Une pêche désespérante.